fait ça? Qui t'a fait ça? Qui a fait ça? Ils sont où? Regardez ce qu'ils font. Eh, comment ça, vous m'appelez pas? Oui. Bah, on va faire de la moto là, tu crois quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Regardez les gars, je vous ai filmé pour vous montrer qu'ils m'attendent même pas pour faire. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai coloré la chaîne en rouge. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pour colorer la chaîne en rouge, regarde. Mes pieds! T'as coloré ses pieds aussi. Oh. En fait, les amis, on va faire de la moto aujourd'hui, ça va être incroyable. Eh mais Miram, en plus tu venais de l'acheter. Eh, si tu veux faire de la moto, faut se préparer à se salir, c'est normal. Déjà Miram, on fait pas de la moto en claquette. Et vous faites de la moto, même pas ça m'appelle à rien. Dans la moto, il y a qu'une place, on est d'accord. Il y a qu'une place. Il y en a deux. Mais là, t'es en train de faire quoi? Là, je suis en train de mettre de l'huile. Je vais mettre de l'huile moteur pour que le moteur il soit huileux. Comme ça, on va pouvoir démarrer. Non, en vrai, regarde, ça me fait un style, non? Mais normalement, je sais pas. Quel style? Ils savent même pas ouvrir ça, les gars là. Ça s'ouvre pas. On va essayer de démarrer comme ça déjà à vide. Ça s'ouvre. Ramène ça à papa, ramène ça. Ça, tu ramènes à papa. Tu dis, papa, tu peux nous l'ouvrir s'il te plaît. Si j'arrive à vous l'ouvrir, vous me passez 1 000 euros. Ok. Ramène à papa. Qu'est-ce que tu fais, sale mal? C'est pour que l'essence elle descende dans le moteur. T'es taré? Normalement, ça va démarrer. Regarde bien, t'es prêt? Ok, bismillah. Allez, descend dans le moteur, allez. Tu vois, papa, il a dit il y a peut-être plus d'essence. Bah, du coup, quand on remettre. Bah oui, là. Essence. Il n'y avait pas d'essence, tu voulais démarrer. On sait jamais, hein, peut-être ça peut démarrer sans essence. Hein. Est-ce que la moto va démarrer? Roulement de tambour, est-ce que la moto va démarrer? Et 1, 2, 3, tu peux y aller. C'est un flop, je le fais pas. Dépêche-toi de la démarrer! Dépêche-toi de la démarrer! Si elle ne démarre pas, Yacine, tu vas voir ça, tu le retrouveras dans ton nez. Faut faire ça quand tu la démarres! T'entends pas le bruit que ça fait, ça accélère tout seul, ça fait brrrr, non, on dirait tout le temps d'accélérer. Personne n'a touché à la vis là, il y a une vis là pour le réglage du carburateur. Si, c'est moi, c'est ici là, ça. Ah, pourquoi t'as touché à ça? Non. J'ai fait que comme ça. Non, faut pas toucher à ça, ça c'est le réglage du carburateur. Ça, c'est un micro truc, c'est pour ça qu'il est... Vas-y, redémarre. Attends, faut que je le mette derrière. Quelle connerie lui. Ouais, mais ce matin, je pensais que c'était le starter. Non, c'est pas le starter, ça c'est le réglage du carbu. Oh lolo! Monte devant Yacine! Oh la dinguerie! Non, ça va être petit à toi! Incroyable! Vu que vous avez réussi à démarrer la moto et qu'on va se mettre super bien grâce à la moto, je vous ai fait une surprise, ouvrez vos yeux! Attends, calmez-vous. Vous êtes deux. Myriam, repose tout. Remets tout comme j'ai mis. Toi, t'es malade. Vu que vous êtes deux, il va avoir 3 questions. À chaque fois que vous répondez bon à une question, vous avez le droit de prendre un article de votre choix. Ok. Qui a 3 métiers avec la lettre B? Myriam. Boulanger. Yacine. Boulanger, basketteur. C'est pas un métier, baseballeur. Merci. C'est pas un métier. Si, basketteur, c'est des professionnels et baseballeur, c'est des professionnels. Waouh, les nouveaux Oreos. Bah alors, aussi, chômeur. Deuxième question. Citez-moi 3 joueurs de l'équipe de France de football. Myriam. Dembélé, Mbappé et Hakimi. N'importe quoi. Yacine. Saliba, Dembélé, Mbappé. Je vais prendre. Hakimi joue au Maroc, Myriam, respecte les Marocains. Oh, les t'as la haine, hein. Elle a pas le droit. Myriam, t'as pas le droit. T'as pas le droit, allez. Non. Dernière question, Myriam. Citez-moi 3 pays européens. Myriam, vu qu'elle t'a triché. Italie, France et Espagne. Ok, prends tout, Myriam. Mais non, mais ça, c'est à moi, il a dit tout ça. Non, Myriam, tout ce qui est sur la table, commence pas à tricher. Est-ce que tu veux parier tout ce qu'il y a sur la table contre ce qu'il a, Yacine? Ouais. Parce que toi, je sais que t'aimes bien les bonbons, d'accord. Vous allez faire un pierre feuille ciseaux en 3 coups. Celui qui gagne, il prend tous les bonbons. On fait comme ça. Pierre feuille, attends, feuille. Pierre feuille ciseaux. Pierre feuille ciseaux. 1-0 pour Myriam. Pierre feuille ciseaux. Let's go. 1-1. Pierre feuille ciseaux. 2-1. Ouh. Ok, balle des matchs. On est d'accord, Myriam. Regardez ma tête, elle est incroyable. On est d'accord qu'on a le droit à la pierre, à la feuille, au ciseau, mais on n'a pas le droit au puits. On est d'accord. Il va faire le puits, s'il fait le puits, c'est tout pour moi. Pierre feuille ciseaux. Pierre feuille ciseaux. Ouh, je prends tout. De toute façon, je vais pas grossir et lui il pourra pas manger, donc raboule tout. Bah, tu vas manger quoi? Non, mais attends, vu que Yacine a gagné, Yacine, tu me l'aides. Si tu veux, grand frère, tiens. Quoi? Non, il laisse pas les bonbons, il laisse la...
Lâche ça là. Oui, j'aime bien. Attends, mais c'est une blague là. Myriam, viens ici tout de suite. Eh, viens. Quoi? C'est quoi ça? C'est pas moi. C'est qui alors? Je sais pas, c'est Yacine. Et toi? Pourquoi tu dis que c'est moi? Tu crois que je rigole avec toi? Eh, c'est quoi ça? Dis la vérité, dis-lui la vérité. Je demande, Younes, est-ce que je peux jouer à Fortnite? Moi, en tant que grand frère gentil, je lui dis oui. Elle s'assoit là sur la Play 5, donc tu utilises forcément ce casque. Oui. C'est toi qui as fait ça ou pas? Mais je te rends sur Fortnite, c'est pas de ma faute. Et tu casses les casques? Bah, comme il fait Yacine. Comment ça, comme il fait Yacine? Moi, je cache pas des casques. Eh, Myriam. Je vais te parler français. Tu veux que la Play, je la vende? Non, s'il te plaît. C'est la dernière fois. Eh, c'est ton unique et dernière chance. C'est la dernière fois que tu fais ça. Wikipédia. En plus, tu dis Wikipédia. Eh les gars, il s'est passé une dinguerie dans la journée. Younes, il a fait un truc, mais il veut pas me dire c'est quoi. Oh là là. Myriam, ça sert à rien de filmer, c'est pas la peine. T'as concerné personne, Myriam. Quoi? Dis-le. J'ai rien. Bah pourquoi t'as un gros coca? J'ai rien. Myriam, coupe cette caméra, c'est bon, arrête. J'ai une dinguerie, ça. Eh les gars! Bien quoi? Mais là, s'il a un gros cocard ou pas, je sais pas qu'est-ce qu'il a! N'importe quoi! Comment ça, il a un gros cocard? Il a un gros cocard à l'œil, il est énervé! Il est malade? Non, mais il est rentré! Mais Mazaral! Mazaral, ça va lui faire du bien, Mazaral! Regardez, il arrive! Oh, tu filmes! Déjà, arrête de filmer! Oh, tu filmes! Regardez! Arrête de filmer! Viens les voir! Arrête de filmer! Je rentre pas! Arrête de filmer! Bon, t'as l'air de toute la famille, Maxon! T'as l'air de toute la famille, ça! Qui t'a fait ça? Personne! Tu te rends pas compte, tu vas inquiéter ta mère pour rien! C'est n'importe quoi! Mais attends, tu fais quoi, Yes? Ta petite soeur va rentrer, elle va s'inquiéter! Ma mère, elle va rentrer, elle va s'inquiéter! Tu t'en rends pas compte que t'as à l'œil, t'as une dinguerie! Omar, je vais arranger ça, je t'ai dit, arrête de filmer! Qu'est-ce que tu vas arranger? Arrête de filmer, toi! Tu vas arranger ça! Non, c'est moi, je te parle! Comment tu vas arranger ça? Je vais arranger ça! Ils sont où? Qui t'a fait ça? On rigole, calmez-vous. On a eu peur pour toi. On a le droit de vous faire des pranks des fois. Ça, c'est pas un prank, vous dépassez les bornes à chaque fois. Pas drôle, c'est rigolez pas avec ça, sérieux. Je vais vous casser la tête. Comment t'as fait ça à ton œil? C'est Myriam, elle m'a tout fait. Ouais, mais t'as fait comment? Tous les gens, ils ont des familles normales, ils vont là-bas, ils font des repas, ils rigolent et tout. Donc que des familles bizarres. C'est plus la code familia, c'est la prod familia. Ça faisait longtemps, on s'est dit que Myriam, on va leur faire un prank. Eh, tu m'as fait un œil. Vous savez que nous les gars, on se bat pas. Dans l'islam, c'est pas bien de se battre. Toujours la paix et l'amour. Mais on voulait leur faire une petite blague et ça a bien marché. T'es la big boss, t'es la nouvelle boss des pranks. Et bah alors les anciens, on faisait bien prank hein. En plus le gars, c'est pas moi qui l'a cassé. Ah ouais, c'est qui l'a cassé alors? Je sais pas, mais c'est pas moi. C'est Omar. Comment à nos âges on peut se faire prank alors que c'est nous qui avons inventé les pranks? C'est c'est la vie mon petit. Lâche-moi. Ça va être simple, je vais me venger. Mais pour voir la revanche les amis, mettez un max de likes. On va dire qu'à 5000 likes, je fais la revanche. Allez, moi je vous laisse là. Ciao.